Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai entendu dire que le gouvernement accompagnait les nouveaux arrivants. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, ce que je vais vous demander, c'est de prendre votre téléphone, ouais. D'aller dans l'onglet CNN sur Internet d'Abadim. Je vous invite à le lire. Et puis, du coup, mes collègues sont partis chercher la prime ainsi que les tickets. On va vous rembourser 1 500 $ en tant que nouvel arrivant. On va vous rembourser votre premier permis voiture, votre premier permis poids lourd. Ainsi, on va vous donner des tickets. Il faut savoir que quand vous aurez intégré une entreprise privée, au bout de 15 jours, vous aurez alors une prime de 1 500 $. On vous met à disposition une voiture sans permis au garage public de l'aéroport et le gouvernement vous remboursera aussi votre premier diplôme une fois que vous l'aurez passé. Est-ce qu'on peut avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît? Ouais, tenez. Monsieur Catherine. Catherine. Catherine, je veux bien que vous disiez votre nom parce que là je. Guiguen. Vous avez trouvé une entreprise privée ou pas, pas encore? J'ai trouvé une entreprise privée, ouais. Je viens d'être recruté chez CDT. Et bien, si tout vous paraît clair, je vous souhaite une bonne installation et une bonne intégration. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, messieurs. Et bien, je vous souhaite une bonne journée, bon courage. Bonne journée. Merci de même. Je cherchais depuis tout à l'heure et j'ai pas eu le temps de reprendre le rataxi, si je veux. Ouais, pas de soucis, je me suis demandé du coup. Ça serait pour aller au LSMS, s'il vous plaît. Ah, vous me direz, une voiture comme ça, c'est mieux pour les courses, non? Non, c'est pareil. Ah, c'est plus confortable au pire. Ça, ouais. C'est sûr. Mais après, bon, elle est pas plus rapide. Hein, donc, D'accord. Elle fait un plus joli bruit. C'est ça, ouais. J'ai une visite médicale à faire pour un premier emploi. L'ambiance m'a paru assez bonne et le point de vue est vraiment sympa de là-haut. Qui c'est qui s'est occupé de votre recrutement? Vincent ou Ange? Ange. Ange. Ça va, elle a pas trop parlé? Non, c'était complet. Vous êtes un ancien ou vous connaissez? Non, je connais récemment. Moi j'ai été 5 mois au Bénis avant. D'accord, ok. Et voilà. Est-ce que vous avez un ticket transport ou... Ça fait moins d'une semaine que je suis arrivé, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de facture pour les nouveaux. Oui, tout à fait. Et bien, je vous souhaite une bonne journée. Oui, merci beaucoup, de même. Merci. Au revoir. Au revoir. Et rebonjour. Oui, rebonjour. En véhicule traditionnel cette fois. Le CDT, du coup, s'il vous plaît. Des nouveaux à Los Santos, comme moi, votre rémunération, elle se base sur quoi, en fait? D'accord, donc c'est purement... C'est purement de bon cœur, quoi. De bon cœur, oui, tout à fait. Et moi, je vous demande d'aller à CDT, en plus. Bah, c'est comme ça, hein. Il n'y a plus de radar. Ah, il n'y a pas moyen d'avoir les radars sur le GPS? Ah, non. Oui, je les connais, donc. Ok. Enfin, j'en connais pas mal. C'est-à-dire, je les connais tous, je me fais avoir encore sur certains. Oula. C'était osé. Il a fait le but de l'oser. Mais... On sait qu'il allait s'arrêter, j'ai anticipé. Hop, et voilà. Bon courage pour la suite. Ouais, bah, je vais aller me coucher, je pense. Ah bah écoute, je vais vous livrer les débilés déjà, en attendant qu'il arrive. Ouais, ça roule. Vous êtes fait recruter aujourd'hui? Je commence aujourd'hui, j'ai été recruté hier. D'accord, ça va bien? Bah pour le moment, j'ai pas fait grand chose, donc... Ouais, parce que du coup vous avez trois chambres, hein, c'est ça? Plusieurs. Je dirais qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chambres. Oh putain, la vache. Ah oui, d'accord. Ouais. Je pensais pas que vous produisiez autant. Ah si, il y a de la demande. Ah, c'est bien, si. Ça veut dire qu'il y a 8 tables, c'est le principal. Yes. Il faut que je fasse quelque chose pour vous pendant la livraison ou quoi? Non, c'est bon, c'est juste quand je vais repartir. Ouais. Juste me maintenir la grille ouverte tant que je sorte avec le SMI, mais c'est tout. Je vais pouvoir le faire, tu vois. Vous êtes c'est ça. Ouais, c'est salut Rémi. J'ai monsieur Aubin qui va me dire un message. Hop, et voilà pour vous. Et voilà, vu que j'ai pris une nouvelle, je sais pas à quelle heure c'était. Ouais, non, parce que du coup j'ai vu monsieur Aubin tout à l'heure. Et donc je suis appelé, je lui ai dit que j'étais en route, machin, il m'a dit qu'il arrive au domaine, mais a priori il a eu un excellent moto sur l'autre. C'est Tim. Tim, ça roule. C'est Catherine. Je crois qu'on s'est vu. Pendant l'entretien, non? Non, ouais, ou le soir où. Là, je vais voir que. Tout est passé, justement. Ouais. Comme ça. Ouais. On s'était croisés. Hein. Les premières tournées, c'est ça? Bah ouais, je me demandais un peu comment ça se passe. Ouais, j'attendais du monde, justement. Ok. Ouais, t'as raison de faire avec. Avec du monde. J'ai fini mes tournées, moi. Mais s'il y a besoin, y a pas de souci. Ouais, je sais pas si t'as envie de l'accompagner
En fait, c'est comme si soit il y a quelqu'un qui doit aller chercher dans ça. Ah ok, ouais, moi je vais l'accompagner, il y a pas de soucis. Alors si t'as besoin, si t'as soif ou quoi, tu vas récolter quelques grappes de raisin dans les vignes, tu vas dans la cuisine et tu te fais du jus de raisin avec. Ok, ça roule. Si jamais t'as soif. Et un des avantages du CDT, t'as pas besoin d'acheter à boire quoi, tu peux te servir. Ouais, c'est cool ça. Écoute, pour la récolte, je pense que je vais me démerder tout seul. Ouais, mais de toute façon, très loin, je te rejoindrai sûrement. Là, je vais aller récupérer un peu des jus d'orange, je vais voir ce qui se passe un petit peu avec le camion, tout ça. Ouais. Et voilà. Au besoin, ouais, je te bip. Ouais, y'a pas de soucis. Salut. Salut. Première récolte. Ouais, juste au moment de sortir, le semi a perdu sa remorque et il est en train de boucher toute la route, donc... Ouais, on va l'aider. Bah, demain que ça fait pas boum, ça va être principal. Ouais, ouais, passe-nous tes clés. Comme ça, on va t'aider. Si tu peux me les donner aussi. Ouais, je te fais ça. T'inquiète, on va partir en même temps, tu vois. Ok. Ouais, parce que la route est pas forcément évidente hein, au début. Bah, faites attention à vous, je vais décoller là. Et du coup, moi, bah voilà, super. Bah, nice, ouais, ouais, ouais. Ah, n'oublie pas de régler ta radio sur 346.6. C'est bon, je vous suis. Pas les peintures. Les peintures, là, il est 8h30 au niveau de la gare. Ah, tu pouvais reculer encore un poil, hein. Il y a eu du grabuge sur la route, là. Hein. Ouais, ça... Ouais, le pire, c'était sous le tunnel, le groupe électrogène qui se décroche de l'armor. Ouais, c'est ça. Ah ouais, oh le bordel. J'ai vu une petite taille. Ok, je me sens mieux, l'alcool est passé. Je vais être plus productif, là, déjà, maintenant. Ouais, une première tournée à Castello, tu l'as fait émécher, non? Je me dis, c'est normal. C'est le visitage. C'est le visitage. Ah, vous avez un taser en fait? Non. Non. Bah, allez, au l'esprit, vous en achetez un. Quoi, ça? On a le droit? 200. Ouais, ouais, 260 dollars, si je ne me trompe pas. Ouais, vous allez au l'esprit. Non, non, pas pour le taser, il faut juste pas de taser. Ok. Ah, la preuve, j'en ai un. Mais j'ai pas de TPA. Et. Non, parce qu'on a, tendance à se faire braquer dans les parages. D'accord, ouais, sympa. Et donc là, on va vendre ça du coup. Donc là, on va vendre ça. Ok. On va vendre la bonne piquette. Non, mais outre le fait de faire des tournées, c'est vrai que le salaire au quart d'heure de Pôle emploi, c'est pas. Tu peux pas vivre avec quoi. Ouais, non, mais c'était surtout pour le côté, tu vois, échanger avec les collègues. Les relations. Donc j'ai tout de suite ciblé les entreprises en fonction de ce critère quoi. Ça fait longtemps que t'es arrivé en ville? Je viens de Cancun, c'est au Mexique et je suis arrivé il y a un jour. Ah oui d'accord. Ouais. Tout récent, ouais, je suis encore dans les cartons. D'accord. Moi je suis arrivé mardi. Mardi? Ouais. C'est assez récent aussi. Bah ouais. Entre nous, on se comprend, tu vois. Clairement. Bah, je me suis déjà fait arrêter par deux gangs. Je sais pas si toi, ton expérience. Ah non. Ah bah, on peut dire que j'ai une bonne étoile. Je raconterai personne. Ah ouais. Première fois, du coup, lors de. Ouais, je t'ai coupé, vas-y. Moi, c'est taxi que j'ai pris à l'aéroport. Il m'a expliqué là où. Là où fallait pas passer, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. La carte, tout ça, il m'a tout expliqué. Donc, bah, j'ai évité les zones, mais je. Ouais. Après, t'as beau avoir la carte, enfin, connaître la carte, tu l'as pas tout le temps oui, sous les yeux, quoi. Non, ouais, je comprends bien ce que tu veux dire. Puis souvent, c'est un défaut que j'ai tendance à suivre le GPS tout le temps, à plus me repérer avec les panneaux, et du coup, tu le suis bêtement et tu tombes dans les zones qu'il faut pas, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. T'as pas eu de soucis quand t'as passé ton permis? Et bah justement si du coup. Alors première fois joaillerie mauvaise zone. Et deuxième fois permis les brokers. Ah oui d'accord. Voilà. En plus le taxi m'a dit que c'est sur à côté du Bénis ça, c'est ça?
Il me semble, ouais. Côté de l'auto-école. Ouais, ouais, ok. Il m'a dit que eux, ils étaient. C'est... Enfin, le taxi m'a dit que c'était les pires, eux, donc. T'as pas eu de chance, quoi. Non. J'ai tenté de prendre la fuite, ils m'ont tiré dessus, je suis tombé dans le coma. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Bah après, c'est pas tombé aux bonnes heures, quoi. C'est pas cette histoire. Non, c'était le soir, c'est vrai. Ouais, moi, on m'a justement, on m'a conseillé de les passer soit après tempête, soit. Soit l'après-midi ou le matin. L'après-midi ou le matin, pour être bien tranquille. T'es vite embêté quoi. Ouais. Enfin bref, je veux pas vous porter malheur du coup. Peut-être qu'à nous deux, avec ta bonne étoile, on va équilibrer le truc et on va pas se faire braquer là sur la tournée. Oui, peut-être. Ben écoute, ça fait. Ouais, ça fait depuis mercredi soir que je suis là. Pour le moment, zéro braquage. Hein. Touche du bois, il y a les poteaux derrière toi. Zéro braquage. Oui. T'as déjà fini ta vente ? Non. Ok. Je te vois bouger beaucoup. Moi je suis pas comme vous en fait. Je peux pas avoir la tête dans le camion. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça. Moi je peux bouger en fait. Ok. Eh bien, de grand luxe. Exactement. Faut que je m'achète une voiture aussi. T'en as une, je suppose, non ? Ouais, la meilleure des voitures, une dilettante, une voiture électrique. Et du coup, ça te coûte vraiment pas cher à recharger. Parce qu'une essence, tu vas te payer. T'as été au gouvernement ? Yes, ce matin. Oh bah, t'as de la chance. Montée est dure. Ouais, c'est pas le meilleur sens, j'aurais dû me mettre dans l'autre, mais ça ira. Ouais, c'est pas grave. Qu'on a de la place pour circuler. Ouais. Bon, je retire ce que j'ai dit. J'ai de la chance. J'ai trouvé une petite bague en argent et une arme rouillée. Et ça, tu fais. Comment te dire ? C'est des objets qui sont pas fait illégal. Lego, ouais. Genre, y a un système de revente, non ? Ouais, c'est ça. Ok. Et mine de rien, les récoltes, ça creuse, hein ? Attention de bien manger et bien boire parce que sinon tu te retrouves dans le camion. Et pas se tromper de bouteilles. Oui aussi ouais. Je vois pas de quoi tu parles. On a les étoiles. Ouais, dis-moi, vas-y. Quand tu récoltes dans tes poches, ouais. Faut que t'essayes de pas regarder les poches après justement parce que ça te donne mal au dos. Oh là là. Ok. Une charge supplémentaire, quoi, d'accord. Sur toi. Bah, je vois que t'as fait la même, du coup. Regardez dans mes poches aussi, ouais. On est malin. Ouais, mal au dos. Ah, bah ben voilà, on est trois. Comme tout le monde. Voilà, exactement. On est joyeux comme ça. Et du coup, on peut pas courir, hein. Ouais. Non. Si on vient de nous attaquer, voilà. Comme ça. Exactement. Et on aura quand même passé une nuit à travailler, les gars. C'est bien. C'est la première fois que ça dure aussi long le tournoi. Voilà, c'est parce qu'il y avait un petit nouveau, c'est pour ça. D'accord. Ouais, c'est le jeune tien. Zio, tu vas bien ? Ouais, ça va. Et toi ? Bah écoute, ça va pas trop mal. Hein. La journée, ça a été ? Ouais, nickel, ouais. Je commence à faire des tournées de ravitaillement pour les stations essence, tout ça. Donc là, je connais à peu près tout du métier de pompiste maintenant. Je pense que c'est bon, la période d'essai se termine. Oui, ah, c'est cool ça. C'est cool. Ça va être bon pour moi. Ouais. Je te rappelle plus tard, j'ai les mains dans le raisin là. Okay. Tu peux pas te téléphoner en même temps, ça marche pas comme ça. Bah j'ai peur de le salir, c'est pas pratique. Ok, ça marche. Bon, plus tard. Plus. Je suis pas en train de me voler des bouteilles, hein, Rémi. Non. Pour faire croire que je travaille pas et tout ça, hein, parce qu'on les connaît, hein, les techniques. Il a soif, c'est pour ça. J'en ai jamais vu une seule pour le coup. Ouais, bah dis jamais, hein. Parce que moi j'en ai jamais vu une seule, j'en ai bu deux. Mais les gens vont tout le temps à la banque ici, ils gagnent beaucoup d'argent, dites-moi. Tu vas voir que la semaine, tu vas voir au quart d'heure quand t'auras une bonne paye. Bon, après celle-ci, je vais devoir aller me reposer.
Ouais, y a pas de problème. J'ai eu deux mal de dos dans la soirée, ça tire un peu là. Ça fait longtemps que t'es ici du coup? Ah, c'est d'été? Bah, je suis le troisième puisque ça arrive, ça fait 3 mois et bientôt 2 ans. Ouais, ouais, c'est bien. J'ai appris que le boss revendait, revendait ses parts là. Ouais, c'est pour ça, j'ai passé le deuxième plus ancien. Je vais racheter. Ok. Bah, alors, c'est le nouveau qui a fini avant vous, les gars? Ouais, c'est une excuse ça. Je suis désolé, je vais devoir y aller, les amis. J'ai un impératif après. Pas de soucis. Bonsoir. Ah, et bonsoir. Je connais pas du tout les menus, dites-moi ce que vous pouvez proposer. Vous avez droit au choix à 2 plats, 20$, 5 boissons, 2 desserts en choix. Tiens, d'ailleurs, ça te dirait de passer commande au CDT en tant que particulier, comme ça je ferai ma première commande hors grossiste. Mais c'est des grosses quantités ou... Bah, ça dépend de toi. Alors, on a du champagne rosé, cidre, du Danton, limonade, vin blanc, vin prestige, vin rosé, rouge, jus d'orange, jus de pomme. Ça, ça travaille au CDT, ça. Ouais. Je crois que t'as commandé Fred, par contre. Bah, commandé Fred. Ouais. Désolé, j'avais pas vu. Oh, pas de soucis. C'est parfait, monsieur. Ouais, pas de quoi. À une prochaine. Ouais, pas de soucis. Bonne soirée. Soirée, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. Le mieux, ça serait qu'on passe à un garage proche d'une banque et je m'achète une caisse directe. Par contre, sans pas de ta caisse, que c'est... je me suis braqué une fois ici. Ok. Je vérifie qu'il n'y a personne dans les rues alentours. Putain, t'es fort. Oh. Chef de division Lotus, le département du shérif. Vous comptez acheter quoi du coup? Vous avez quelque chose qui vous plaisait? Ma première voiture, ouais. Ah, vous aussi? Ah bah, c'est vrai, j'ai une petite moto, mais je compte m'acheter un bien petit 4x4 pour l'hiver, quoi. Monsieur? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Faites attention à vous, monsieur, ok? Je peux pas acheter tant que j'ai un véhicule qui a la fourrière. Ah! Et je pense qu'il parle de mon camion, là. On va l'obénise, hein. Ouais, bah, vas-y, go, obénise.